Je suis ravie de vous revoir. J'ai hâte de voir la suite des événements. Eh bien, moi aussi, ma chère Chloé. Qu'est-ce qui se passe? T'as encore une erreur dans ton programme? Je détecte comme une défaillance dans mon programme. C'est normal. À chaque début de tournage, tu me l'as fait, celle-là. Bonsoir à tous les amis, c'est Valoir 333. Nous sommes sur Detroit Become Human. Et bien sûr, nous allons continuer la suite de notre aventure. Je vais enlever le curseur de la souris qui gêne. Et nous allons tout de suite passer... Attendez! Quoi? Voulez-vous vraiment continuer? Ah, ça se passe très bien pour l'instant. Peut-être qu'on devrait laisser les choses comme elles sont. Mais... il suffit! À votre guise. Merci. Pour l'instant, ça se passe très bien, non? Donc, continuons dans cette optique. Marcus? Carl Manfred. 63-38. Confession. Je suis perdu, Carl. J'ai tué. Tout ce que je voulais, c'était vivre en paix, mais. Tout ce que je touche s'effrite entre mes doigts. Toi. Partagé. Je suis perdu. Oui, bah tu l'as déjà dit. Le monde s'effondre autour de moi et j'essaie de prendre de bonnes décisions. Mais je ne trouve aucune réponse. Cette scène est différente si Carl n'est pas mort. Décision importante, conseil. Qu'est-ce que je dois faire, Carl? Ils nous massacrent. Je ne veux pas répondre à la violence par la violence, mais quel choix me reste-t-il? Tu parles tout seul, hein. Mais bon. Vous me manquez, Carl. Vous me manquez tellement. Son fils. Ça va, connard? Je pourrais lui exploser sa tronche. Mais non. C'est pas ma guerre. Il y avait un John Smith enterré. Après ce qui s'est passé à Jéricho, ils doivent être tous abattus. Hein. Atomique. Alors, qui est qu'on peut aller voir? Connor. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jéricho. C'est vrai. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'il se servait de moi. Pas Hank. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Indulgent. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife? Connor, c'est du suicide. Ah, ça fait ils du sens, font hein. Confiance. Ils me laisseront entrer. Personne si l'a vu, hein. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes.
Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Ouais, c'est la loi de Murphy. Sois prudent. S'excuser auprès de Kara, mais Kara n'est pas là, si ? Kara s'est enfuie. Salut. Ils ont ramené une fontaine de sang bleu. Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Dans l'ensemble, mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. Bien. Très bien. Le verbe, c'était parler. C'était plutôt unilatéral comme conversation. Nous avons Norse. Bien sûr. Ton diagnostic système ? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Ça aurait tu dois d'abord. Les cheveux sont magnifiques. Peuple. C'est tout ce qui compte. Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque ? Peu. Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps. Pour les exterminer. Mmh. Ça nous rappelle les sœurs les plus dans sombres de notre heures, histoire. Il ne restera plus que nous. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, je serai nous derrière te suivrons. Toi. C'est bien. Je t'aime, Marcus. Ça n'a pas changé, c'est très bien. Maintenant, nous allons nous excuser. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. C'est un forfait. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Oui, certes. Marcus. Sauve notre peuple. Du choix pris. Mon choix est déjà fait. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. L'opinion publique est solidaire. Je sais que vous êtes en colère.
Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. Comme d'hab, voilà. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêts à me suivre ? Marcus. A choisi de protester pour son peuple. On a tué deux flics. C'était déjà très grave, cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah oui, là c'est... Si jamais... d'en croiser des chemins... Ça doit être quand Karl Manfred n'est pas mort. Donc très bien. Aujourd'hui, à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Madame la Présidente ! Madame la Présidente ! Madame la Présidente ! Que va-t-il advenir de CyberLife ? L'interdiction des androïdes est-elle définitive ? Nous travaillons en étroite collaboration avec CyberLife pour neutraliser tous les déviants. Je ne ferai aucun autre commentaire sur le sujet tant que nous n'aurons pas réglé la question des androïdes. S'il vous plaît ! A-t-on arrêté le leader des déviants ? Le déviant connu sous le nom de Marcus n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Madame la Présidente ! Madame la Présidente ! Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion ? C'est ridicule. Question suivante, je vous prie. Par ici ! S'il vous plaît ! Madame la Présidente, l'opinion publique semble de plus en plus favorable à la cause des déviants, surtout depuis qu'ils ont adopté une approche pacifique. Quelle est votre réaction à ce sujet ? L'opinion publique est une chose, la sécurité nationale en est une autre. Ces déviants sont dangereux, et ma priorité absolue est de protéger le peuple américain. Par ici ! Mais si le peuple américain se met du côté des androïdes... Est-il vrai que les androïdes représentent 60% de nos forces armées ? D'après vous, sont-elles encore capables d'assurer la sécurité intérieure ? Nous avons neutralisé tous les androïdes militaires à la seconde où leur fiabilité a été mise en doute. La garde nationale a été appelée en renfort également. Nos forces armées sont pleinement opérationnelles et en mesure d'assurer la sécurité intérieure du pays. Merci. C'est tout pour l'instant. Madame la Présidente Warren. Ça fait penser à Warren H. Pierce dans Siphon Filter Omega Strain. Le président des États-Unis aussi. Bonjour. Modèle Connor numéro 313 248 317. On m'attend. Je viens voir Amanda. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Mais bon, pour une entreprise, c'est l'équivalent du Tesla du futur. Ça fait quand même beaucoup de sécurité pour une entreprise.
Aux États-Unis, c'est autorisé d'avoir des agents de sécurité armés. En France, c'est interdit. Suis-moi. Je vais t'accompagner. Merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Oula. J'ai l'impression qu'ils sont déjà au courant. Ah oui. Je suis carrément escorté. J'arrive à les neutraliser les trois. Agent 23 identifié. Connor, Android, identifié. Agent 47 identifié. Scan terminé. Accès autorisé. C'est très joli en tout cas. Il y a des androïdes partout ici. Ça fait très, ça fait beaucoup penser à l'UAC de iRobot. Ou c'est pas l'UAC, je sais pas. L'UCR ou je sais plus comment elle s'appelle, l'entreprise. Le patio ressemble un petit peu à ça. Agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Deux avec moi. Bon. Désolé messieurs. J'ai raté quelques QTE. Je suis pas chaud. Là. Agent 54, niveau moins 49. Reconnaissance vocale validée. Je préfère par sécurité prendre sa voix. Je sais jamais. Et puis comme ça, ils ignoreront où je suis. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on se dépêche. 20 minutes. Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Mais tu peux pas avoir froid. Ça ira mieux dans un instant. Merci. Voilà. J'ai des objectifs dont j'ignore pour l'instant la nature. Un pistolet par terre. Thank you.
Viens. Faut pas rester là. La musique qui fout bien les boules. Ne me faites pas de mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Parlez moins fort déjà. On va marcher si on veut voir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. La dernière fois qu'on a fait ça chez le gars là, ça s'est pas très bien passé. Je n'ai rien fait. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance, bouge-toi. Allez, on se dépêche. On se fait choper. Chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs. Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie! C'est chaud! Saloperie d'androïde. J'ai déjà une arme. Nous a sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Allez-y avant qu'il vous voie. Alice. Par contre. Doucement là. Hein. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. J'ai essayé de vous rejoindre à la gare, mais ils m'ont arrêté en chemin. Il faut y aller. On y est presque, mais on n'a plus beaucoup de temps. Il est chiant ce soldat là. Bon bah c'est bien. Flingue. Un poste de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. Elle a surtout un flingue. On devrait peut-être faire un détour pour éviter le danger. On n'a plus beaucoup de temps, on risque de rater le bus. Oui, mais c'est peut-être plus prudent.
J'ai toujours mon flingue sur moi. Nous sommes en direct de Détroit, où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il semble pacifique, mais... Bah alors ? Il se passe quelque chose à Détroit, madame la présidente. Massacré. Sans vergogne. Ça se passe bien, par contre là-bas il y a des mecs. Hein. Sur le No Man's Land là. On y est. Le moment de vérité. Est là. Nous ne voulons pas d'affrontement. C'est une manifestation pacifique. Je répète, rendez-vous ou nous devrons ouvrir le feu. On ne peut plus faire marche arrière. Nous sommes venus pour exiger la libération immédiate de tous les androïdes détenus dans des camps à travers le pays. Nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre. Peut-être fait une connerie, moi. Vous avez tiré sur des manifestants qui ne sont pas armés? Toutes les équipes, cessez le feu! Ah! Présidente, t'as entendu oui, raison. Nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos yeux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. Attention. Restez aux aguets. Merde. Ils m'attendent. Ah bah oui. Merde. Excellent. Oh la connard.
convertir les androïdes. J'ai la capacité de faire ça, moi ? Allez, va convertir tous les autres. Eh oh, doucement ta ferraille de merde. Maintenant recule, Connor. Et je l'épargnerai. Désolé, Connor. C'est ton salopard de frère jumeau, là. Putain. Bonjour, Connor. Bonjour, Connor. On a loupé le bus. La gare routière. On est arrivé, Alice, on a réussi. J'ai toujours le flingue sur moi, hein. Le dernier bus de la journée a quitté la gare. Il n'y aura plus de départ pour la frontière jusqu'à nouvel ordre. Eh merde. On l'a raté. On est coincé ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Kara ! Ils contrôlent tout le monde. Ils vont pas tarder à nous trouver. On doit sortir d'ici. Trouver un moyen de partir. Par là. Contrôle de sécurité. Adam ? Kara ! Vite ! Suis-moi ! Je suis. Rose ! En vie. Oh. Oh mon Dieu, on a vu l'attaque de Jericho à la télé. J'avais peur que vous ne vous soyez fait tuer par ma faute. Comment saviez-vous qu'on était là ? Je savais que si vous étiez en vie, vous seriez ici. Elle est cool, elle. Ils fouillent toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un nous dénonce. Où sont les autres ? Ils contrôlent aussi les androïdes à la frontière. Mais j'ai trouvé un passeur qui peut vous faire traverser la rivière. C'est risqué, mais c'est le seul moyen. Vous venez avec nous ? Bien sûr. Oui, on vient avec vous, ça marche, montez. Un passeur qui peut nous faire traverser la frontière. J'espère que c'est pas encore de la baise. On a eu du bol, hein. Ah, ils sont en train de se barricader. Sont toujours là. On doit finir la barricade. Allez, aidez-moi. Venez m'aider. Par contre, il a été blessé quand même dans cette histoire. Faudrait qu'il se répare un chouïa. Ok, ça devrait être bon. Je sais que c'était pas une décision facile à prendre. Mais je suis sûr qu'on a bien fait.
confier à la position des soldats. Soutenir le peuple, envoyer un message aux journalistes. Nous sommes en grève. Tout va bien ? Ça n'a pas l'air d'aller. Ils ont tiré sur la foule. Tant d'entre nous sont morts. Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. J'en étais sûr. J'ai peur. Je ne veux pas me désactiver. Inspiré. Si on est là, c'est parce qu'on en a assez de vivre dans la peur. Et parce qu'on est plus que ce qu'ils prétendent. C'est pour ça que nos frères sont morts. C'est pour ça qu'on est là. Il en a pris en plus des balles. Hein. Ah, on a ramené avec nous un petit peu de... Les androïdes se soulèvent. La présidente Warren se rendra visite officielle au Royaume-Uni. Conflit dans l'article. Sécurité de l'OTAN divisée. Flux perdu. Je vous laisse lire. La police et l'armée. L'heure de la police de Détroit, un gradé qui prend part à l'enquête sur les androïdes, a déclaré la sécurité des habitants est notre priorité. Nous espérons régler le problème rapidement afin de pouvoir reprendre la collecte des androïdes au plus vite. Vérifier la position des soldats, je suppose que ça se fait. Là-dessus. Ça les arrêtera pas. Qu'est-ce qu'on fait s'ils donnent l'assaut ? On résiste. C'est la seule chose à faire. Tu penses que Connor a une chance de s'en sortir ? Oui. On ne peut plus compter que sur nous-mêmes. Ça ne les retiendra pas très longtemps, mais c'est déjà mieux que rien. Tu vas continuer de bouder longtemps, toi ? Humain. J'ai perdu le contact avec ceux du camp. Je n'entends plus du tout leur voix. Les humains ont peut-être brouillé notre réseau. Ils bloquent sûrement les communications. Que j'ai pris la bonne décision. On aurait peut-être pu éviter tout ça. Tu portes l'espoir de notre peuple. J'ai confiance en toi. Nous avons tous confiance en toi. Quoi qu'il arrive maintenant, nous allons marquer l'histoire. Elle a pas été touchée, elle. Marcus, par contre, il a pris cher. Hein. Mais range ça. Ça suffit. On n'aura pas à s'en servir et on s'en débarrassera. Soutenir le peuple androïde, on va allumer des feux déjà. D'abord je soutiens et ensuite j'envoie des messages.
frères sont morts. Tout va bien. Les humains n'ont aucune pitié pour ceux qui sont différents. Il ne reste plus qu'à envoyer un message au journaliste. Marcus, on a trouvé ce que tu voulais. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Il y a des journalistes là-bas. On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe. Bien. Marcus ! Oula. Marcus, la voix ! Ça s'agite devant. Marcus ! Je suis venu pour parler, Marcus. La dernière fois, c'était pas le cas. Écoute-moi. Tu as ma parole. Ils ne tenteront rien. N'y va pas. C'est un piège. Ils veulent que tu sortes à découvert. N'y va pas, Marcus. Je ne suis pas armé, Marcus. Je veux juste te parler. Je dois entendre ce qu'il a à dire. Et s'ils t'abattent ? C'est un risque qu'on doit prendre. Normalement... J'y fais aucune confiance à ce sac à merde. Dans quelques minutes, les soldats donneront l'assaut. Aucun de vous ne survivra. Ce sera la fin. Mais tu peux empêcher ça, Marcus. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rends-toi. Rends-toi, et je te donne ma parole qu'on ne te fera aucun mal. On vous arrêtera. Mais aucun de vous ne sera détruit. Autre manifestant, garanti. Qu'est-il arrivé aux autres androïdes qui manifestaient devant les camps ? Malheureusement, il n'y avait pas de journalistes pour leur sauver la vie. Ils sont morts. Vous êtes les derniers déviants. Ah. Si j'accepte votre offre, qu'est-ce qui me dit que vous tiendrez parole ? T'es pas en position d'exiger des garanties, Marcus. Si, parce que j'ai encore une carte dans ma main. Tout ce que tu peux faire, c'est décider si tu veux me faire confiance ou non. Vous me demandez de trahir mon peuple ? Je te donne une chance de sauver ton peuple. Y a pas d'issue, Marcus. La seule chose que tu puisses faire... c'est sauver ceux qui t'entourent. Non. Je préfère mourir ici, plutôt que de trahir mon peuple. Tant pis, tu viens de signer ton arrêt de mort. J'ai deux cartes dans ma manche. Je vois pas pourquoi je ferais ça. J'ai une bombe atomique et j'ai Connor. Qu'est-ce qui s'est passé, Marcus ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Les humains s'apprêtent à donner l'assaut. Nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur. Si nous mourons aujourd'hui, au moins nous mourrons libres.